J'ai entrepris de recycler l'énorme pierre sur laquelle j'étais tombé lors du passage des réseaux. Vous pouvez retrouver cette vidéo de la découverte de la pierre en cliquant sur la petite boîte qui apparaît en haut à droite de votre écran. Comme vous allez rapidement le comprendre, l'exercice de remontée de la pente avec la pierre a été plutôt laborieux. J'étais parti avec l'idée que les Égyptiens l'avaient fait avec des pierres de plusieurs tonnes et que donc ma pierre de 130 kg, ce serait de la rigolade. Ça n'est pas vraiment ce qui s'est produit. Autant vous le dire tout de suite, je pense que ça va se casser la gueule assez rapidement, mais a priori, sans blesser. Ce n'est que quand la pierre s'est retournée que j'ai réalisé qu'en fait elle était bombée. Et j'ai donc transporté la pierre sur une trajectoire sinusoïdale tout le long de la pente. Ça, c'est fait. Il s'est ensuite agi de découper le béton de chanvre à la forme de la pierre pour lui aménager une place puisqu'elle allait créer une surépaisseur. L'emplacement a dû être remodelé pour prendre en compte sa forme assez particulière, avec un mélange de pierre et de béton de chanvre qui a servi à caler la pierre. Contre toute attente, la pose de la pierre s'est faite en douceur et en une seule fois. Voici le résultat. On ne fera pas mieux. C'est à peu près horizontal sur une pierre pas plate. Donc, personnellement, ça me va très bien. J'ai un peu transpiré, mais maintenant, elle est dans le trou. Une bonne chose de fait pour pouvoir commencer le dallage.